فيكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد حد مين الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن حد مين للوطن نبيع كل انفسنا لا نرضى بنعيش بالهوى حد مين الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا qui était arrêté dans le complot de 50 a été condamné à 5 ans donc il a fait plusieurs prisons et il était en France il a eu le régime politique parce qu'il a fait grève de la faim et tout ça on l'a nourri au sérum dans la veine est arrivé peut-être en janvier il a été libéré quelques mois avant d'avoir fini sa peine et il est arrivé chez lui à Azouza. Sa mère ne l'attendait pas, elle était dans les champs en train de travailler, on l'a appelée dans le jardin, on lui a dit « t'es un invité ». Quand elle est arrivée, elle a vu son fils, elle est tombée en syncope, elle a eu une paralysie partielle, la moitié du corps qui s'est paralysée. Donc il est resté avec elle très peu, puis le colonel Amran Djibokro et Krim Belkacem sont venus voir Aben pour lui demander de prendre en main la tête de la révolution. Il y avait la zone autonome à Alger, évidemment ils ont arrêté tout le monde, il y en a qui se sont sauvés, il y en a qui ont été en prison, il y en a qui ont été tués, il n'y avait plus personne. Au bout de 3 mois, il n'y avait ni homme, ni argent, ni organisation. Et Aben a accepté, moi je l'ai vu fin avril, on m'avait dit avant qu'on voulait, enfin je ne savais pas que c'était Aben, mais qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir. Mais j'étais hospitalisée, là j'ai subi une petite intervention. Et je suis arrivée fin avril. Et c'est Amar Al-Rachid, l'étudiant de 19 ans, qui a amené Aben chez moi. Bon, je ne savais pas qui c'était pendant longtemps, jusqu'au jour où lui-même m'a dit « voilà qui je suis ». Donc Aben venait à la maison et commençait à organiser la première zone autonome d'Alger. Il prenait des contacts avec les étudiants, avec d'autres comme Ben Khedda, comme d'autres militants, comme Kiwan, comme d'autres, pour les amener à la lutte armée. Donc, tous ces contacts, ils venaient les faire le week-end, parce que moi je travaillais, et le week-end j'étais à la maison, donc il les recevait, et c'est comme ça qu'il a organisé la première zone autonome d'Alger. Moi, pour le moment, je me contentais de le recevoir, et de taper les tracts qu'il me dictait. Bon, plus tard, on s'est mieux organisé, j'ai eu à faire la revue Le Moudjahid, qui était une revue de 70 pages. Ça, j'ai fait 7 numéros, mais plus tard, un an plus tard. Mais pendant ce temps-là, c'était des tracts. Voilà. Et alors, c'est comme ça que j'ai travaillé avec Aben. Après, j'ai commencé à lui procurer des refuges. Malheureusement, je me suis fait arrêter bêtement parce que Amar Al-Rachid a oublié une enveloppe à mon adresse. Et Aben voulait l'envoyer en mission en Égypte, avoir un contact avec ceux qui étaient là-bas, Yazid, etc. Et donc, il a demandé un extrait de naissance au Djurdjura, là où il habite, et il a gardé l'enveloppe au lieu de la déchirer ou de la brûler, qu'on fait tout militant. Lui, il n'était pas assez formé pour le faire. Donc, ils sont allés les arrêter parce que lui, il avait contact, il allait voir Farhat Abbas, que Aben contactait à l'époque pour qu'il nous rejoigne. Et alors c'était des va-et-vient en voiture avec une jeune fille, c'était Miriam Belmioub. Donc il profitait chaque fois qu'il partait, il l'emmenait avec elle, il s'est fait remarquer, ils ont fini par l'arrêter. Ils sont allés, il avait une chambre commune avec 3 ou 4 étudiants, il y avait Lounis, Mohamed Lounis, Mustafa Saber et d'autres, 4 ou 5, ils avaient cette chambre. Et là il a laissé mon enveloppe. Quand ils sont allés l'arrêter, ils ont trouvé l'enveloppe, ils sont venus automatiquement m'arrêter. Un matin à 8 heures, etc.
Alors moi, Abel m'avait laissé ouvert pendant quelques temps, parce qu'il y avait une compromission, on avait arrêté des gens, il m'a dit ne fais rien jusqu'à ce que je t'appelle. Et là il m'a appelé, il m'a donné des consignes. Laisse-nous parler. Il m'a donné des consignes et je devais reprendre donc mon activité. Malheureusement, la police a débarqué et j'ai pas pu. Mais Amar Rachid m'a dit essaye d'avoir des documents parce que je travaillais au palais du gouvernement, au cabinet du gouverneur. Après, j'ai été chez comment s'appelle-t-il celui qu'ils ont assassiné dans la mer, qui était directeur de ce matin, je disais son nom. Il était directeur des finances, Boiscuir. Boiscuir m'envoyait dans un service où il y avait un Français très bien qui m'a, après avoir été arrêté, il m'a envoyé chez moi en me demandant que je pouvais revenir travailler, tout ça, mais moi je n'ai pas voulu. À ce moment-là, Ben m'a mise comme permanente à l'UGTA. On venait de créer, quand je suis sortie de prison, il y avait Aïssat Idir et d'autres. Et donc ils ont créé le syndicat. Hein. L'idée était de Selar Bebe Mehdi, il y tenait beaucoup et puis s'occupait beaucoup de ce domaine. Donc je me suis retrouvée permanente là-bas pour être à la disposition du FLN. Chaque fois qu'on avait besoin de moi, on n'avait plus à aller à la maison, mais là. Bon. Alors là, mais après, ils ont continuellement arrêté tout le monde. Ils nous ont même mis une bombe. Moi, je l'ai échappé. Cinq minutes avant, Fatima Ben Ousmane, qui est Fatima Zakaloui, une militante, il me l'a envoyé pour taper un tract. Donc, elle est venue pour qu'on aille acheter. On a acheté une boîte de stencil, un truc comme ça. Je suis sortie cinq minutes avant que la bombe n'éclate. Oui. Et donc, bon, on a arrêté tout le monde. Ils ont profité pour arrêter. C'est bien qu'ils s'en aillent. Aïssat Idir et puis tous les autres. Il y avait Bourouiba Boualem, c'est quelqu'un que vous devriez voir qui est très intéressant. Et d'autres qui étaient Allel, qui est mort maintenant, Allel Abdelkader, et d'autres qui faisaient la composante de l'UGTM et qui étaient des militants du FLN. Hein? Voilà. Donc j'ai travaillé là jusqu'à mon arrestation. J'allais taper les tracts, les revues, etc. Je vais fermer cette porte, si vous permettez. Parce qu'elle va... Dans deux mois, on m'a libéré en liberté provisoire. Et ce n'est qu'en novembre de l'autre année où je suis passée devant un tribunal, il y avait non-lieu. Alors c'est le grand scandale dans les journaux, Nassim Hablel, non-lieu avec ma photo. Des Français qui travaillent avec nous m'ont donné, parce qu'ils ne savaient ni mon nom ni rien, ils m'ont vu discuter cinq minutes dans le jardin avec Aben. Ils ont mis tout sur mon dos pour pas dénoncer celui qui les a ramenés au FLN. Alors ils ont dit que Nassim Hablel leur avait ramené et Aben, aussi Ben Mehdi Larahmo, ou Ben Khadda, ou Kerim, ou Bokoro, enfin tout le CCE. Bon, évidemment, on est venu m'arrêter à 11h du soir. Moi, je dormais jamais chez moi. Mais ce jour-là, j'étais astreinte parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a gardé jusque vers 10h. Je pense que c'est un Français. Il devait travailler avec la police. À 10h, c'était trop tard. Je devais aller vers Maison Carrée dans un refuge. Mais ma sœur s'est mise à pleurer. J'avais même pas mangé. Elle m'a servi à manger comme ça sur le haut d'un buffet. Et elle pleurait à cause de ses larmes. Je suis restée. Et eux sont arrivés 11h du soir, ils m'ont emmené. Alors c'était les bérets verts, mais c'était un débarquement complet. Il y a eu les bérets verts, les bérets bleus, les bérets rouges, tout le monde est passé. Bon, alors ils m'ont emmené dans une caserne qui existe encore, qui est entre UCND et Maison Carrée. Et c'était les bérets verts, je crois, ou là, les bérets bleus. Je ne me souviens plus très bien, les bérets bleus, je crois. Donc évidemment, je suis passée à la question, parce qu'ils ont essayé de me faire parler comme je ne voulais pas. Donc j'ai été torturée toute la nuit, bien sûr, accrochée au plafond, avec les bras attachés derrière le dos, avec des électrodes et la gégène. Bon, ils ont fini par me laisser le matin. Ils ont arrêté, mais j'avais les deux bras, les avant-bras paralysés et quelque chose dans la colonne vertébrale. Après, ils m'ont mis sur une espèce de roue de... Un machin d'avion, comment on appelle ça, les pneumatiques, les pneus, d'avion où il y avait un grand fer qui sortait. Ils sont arrangés pour que ce soit au niveau de ma colonne vertébrale. J'avais la tête renversée avec
une gaz et on versait de l'eau pour m'étouffer, alors chaque fois que je bougeais, le faire rentrer, enfin bref, bon, j'en passe. Donc, après, ils ont arrêté. Bon, quand ils ont arrêté, je ne pouvais plus me rhabiller, je ne pouvais plus me servir, bien sûr, ils m'ont mise. Je me suis mise, je ne voulais pas qu'ils me touchent, je vais le faire moi-même. Ils m'ont fait monter sur deux tonneaux, comme ça, pour m'accrocher, pour me pendre. Puis ils ont donné un coup de pied au tonneau, alors là j'ai eu un mal terrible, j'avais l'impression qu'on m'arrachait les bras, et c'est comme ça qu'ils m'ont interrogé. Mais ils n'avaient rien, malheureusement. Ceux qui travaillaient avec nous ont raconté toutes ces histoires. Je leur avais ramené tout le CCE chez eux. Je travaillais avec le CCE, mais je ne l'ai pas ramené, je ne les connaissais pas. J'ai seulement parlé avec Abben Mandan dans leur jardin. Ce jardin se trouvait où il y a maintenant, il y a une église dans le haut de la rue des Douches. Oui. C'est même pas une église, c'est plus que ça. Oui. C'est la Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur. Oui. Il y avait un grand jardin, il y avait une villa qui appartenait aux chrétiennes de gauche. Oui. Et c'est là que Abben m'a bavardé un petit peu avec moi. Et puis, eux, ils m'ont donné, ils ont cru bien faire, ils ignoraient. Ah, ce qu'ils ont dit après, quand on s'est retrouvés face à face, on croyait qu'elle était partie au maquis. Bon, alors on a tout mis sur son dos, ils l'ont dit. Bref, bon, là j'ai passé une cinquantaine de jours de torture dans 4 ou 5 maisons différentes. J'ai commencé par USND Maison Carrée, après on m'a emmené dans une ferme arrivée, après la ferme arrivée on m'a emmené à El Biar où il y avait Selarbi Bemhidi, et puis après de El Biar on m'a emmené à Sézigny. À Sézigny j'ai passé un mois à peu près, ou beaucoup plus. Mais là j'étais déjà très abîmée, alors ils ne voulaient pas me retorturer, mais ils m'interrogeaient sans arrêt. Il m'interrogeait, mais j'ai tenu le coup, j'aurais raconté des histoires, j'ai dit bien sûr que j'ai travaillé moi, mais avec Amara Rachid, je savais qu'Amara était mort au maquis, donc je mettais tout sur le dos d'Amara Rachid, je ne connaissais personne que lui. Mais eux, ils n'étaient pas dupes, hein. Ils savaient très bien, pardon, ce que je faisais, etc. Et ils savaient, ils ont su à droite, à gauche, avec tous ceux qui parlaient. Et voilà. Est-ce que vous vous rappelez des noms de vos tortionnaires? Ben oui, il y avait le capitaine Folk à Sézigny. Il n'y avait pas que ça, il y avait le capitaine, c'était le chef, mais il y en avait bien d'autres. Celui qui m'a torturé à USND, il s'appelait Charbonnier. Petit blond, les joues roses, les yeux bleus, Hazeno, un ange, mais il s'appelait Charbonnier noirement. Alors non seulement ça, c'est qu'avant d'être arrêté, je suis allée chez ceux qui vendent le tabac, les Benchikou, parce que Abben allait chez eux aussi, ils avaient un appartement là au rez-de-chaussée derrière leur machine de tabac, et j'allais là-bas, je suis allée là-bas, et alors ils m'ont dit, tu savais pas, le FLN, ils ont de l'argent, il y avait 20 millions, tu étais assis sur le divan, tu étais assis sur les 20 millions, j'ignorais ce qu'avait le FLN ni quoi que ce soit. Oui, il y a eu Charbonnier, il y a eu bien d'autres, hein. Il y en avait un Algérien, mais je ne me rappelle pas son nom. Alors celui-là, c'était un tortionnaire dans la ferme de Rivet, à Berkalem. Ça s'appelait la ferme des Orangers. Et c'est quelque chose que je retrouverai bien. Bon, et il y a une maison de torture ici à El Biar en montant comme ça, où était Ben Mehdi, où vraisemblablement on l'a tué. Non, il paraît qu'ils ont tiré sur lui... là-bas, et puis ils lui ont rendu les honneurs en plus. Ils ont au Caroubier. Et ils l'ont ramené, ils ont fait semblant ils l'ont pendu, comme s'il s'était pendu, mais ils l'ont exécuté. Et ils lui ont rendu les honneurs en plus. Alors je voudrais parler du frère, j'avais sa photo, on me l'a volé. C'est Hossein qui s'appelle Hamoud Hachem, qui était à ce moment-là le coordinateur, parce que Abben ne sortait pas. Il allait d'un refuge à l'autre, mais il ne faisait pas de travail à l'extérieur. Et ceux qui faisaient le contact, c'était mon mari, en 55, et d'autres. Et au moment où j'ai retravaillé avec c'est Hossein, c'est-à-dire Hamoud Hachem, qui est mort sur la table, ils l'ont brûlé, la table de torture sur l'électricité. Il était de Borjumnaïl, c'est magnifique, un homme grand. Et son cœur a lâché la table électrique. Ouais.
Bon, alors, il y a Amara Rachid et il y a Ouamara Rachid, qui lui est un vieux militant, qui a une villa juste en face du jardin. Il y a un jardin au Télimni, dont je vous dirai le nom, puisque maintenant j'ai complètement oublié. Alors, c'est une villa, il y avait des escaliers, on descendait en bas, il y avait un rez-de-chaussée, un jardin, une petite échelle pour se sauver. Et après, il y avait un étage et un premier étage. Je peux vous emmener même à cette maison, ses enfants existent encore. Et ils ont dit, mais nous, on ne le connaît pas, mais il n'a rien fait pour lui donner le nom d'une petite rue. Amara, c'est un vieux militant. C'est un homme qui avait 45 ans. Amara, il avait 19 ans. Pas de comparaison. Voilà.